Eh bien, bonjour à tous, j'espère que vous êtes très très bien. Épisode numéro 2 de notre Let's Play sur Pokémon Wilding Y. La dernière fois, c'était l'épisode pilote. Il s'est passé plusieurs choses, et en off, j'avais dit que j'allais probablement faire des choses. Et en effet, hein, si vous regardez l'écran d'en bas, vous voyez que le texte est en français. Cela signifie donc que le texte est en français, et ma souris qui vient de se débrancher. Voilà. Un délire, tiens. Et du coup, beaucoup de choses, beaucoup de choses à dire. Quelques petites choses à dire avant de commencer l'épisode. Donc je suis en français. J'ai capturé, j'ai Poussifeu, vous avez vu. Donc le starter, c'est bien, il a bien la maxi pépite, il passe ici. J'ai acheté des mémoires ball en off. J'ai un Fennec du coup qui est timide. Garde magique. Ce qui est très bien. J'ai un passe rouge qui est Elbouras, qui est une nature de merde. Mais bon, ça, je veux pas la reset la nature. Pourquoi? Parce que, en vérité, c'est pas Fond Blizzard, ce sera pas le Pokémon Ball que je garderai. Hein. Je prendrai probablement Yveltal dans ma team à terme. Voilà. Et Poussifeu, vous avez vu son objet, hein, j'imagine. La Brazégalite. Je pense que ce Poussifeu est le Poussifeu de l'Event qui avait été distribué à l'époque. Le jeu l'a mis ici dans les hautes herbes. Et à mon avis, c'est même quasiment certain, le Poussifeu de ce Poussifeu-là est à usage unique et n'est plus trouvable dans les herbes une fois qu'on l'a capturé. Ce qui signifie donc que j'ai 3 Pokémon qui seront ou qui sont déjà de type feu. Voilà, c'est une mono feu bien sûr. C'est moi, dégueulasse aux oreilles. Les énergies sont encore là, hélas. Et du coup, pour l'instant j'ai une monofeu, hein. Est-ce qu'on va faire une monofeu jusqu'au bout? Non, mais voilà. Il va pleuvoir des Pokéballs, alors moi les Pokémon plus beaux, les plus mignons, les Pokémon Tokotex. Du coup je pense que que le jeu en français ne change pas énormément par rapport au jeu anglais, et ce qui est plutôt une bonne nouvelle, ce qui veut dire qu'on va pouvoir jouer en français. Malheureusement, vous n'aurez pas ma superbe traduction en anglais, bien sûr. Et du coup, ça c'est un dresseur, c'est ça? Non? Oui. Ouais, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes hype pour la suite du Let's Play. Le premier épisode a très bien marché, bon, c'est le premier épisode après. Mais il a quand même très bien marché, d'ailleurs. Je m'attendais pas à ce qu'il marche autant que ça, d'autant plus que la chaîne ces derniers temps, elle n'avait pas spécialement... c'était pas la joie intégrale, on va dire. En termes de vue. Parce que les let's play étaient vieillissants. Mais là, avec le retour d'Emerald Rock plus le nouveau let's play, la chaîne. Les vues de la chaîne sont remontées. Et puis évidemment, ça motive plus, évidemment. Évidemment, ça motive plus, évidemment, bien sûr, deux fois évidemment. On sent que j'ai beaucoup d'expérience en matière de commentaires. Pouchio. Après, le truc, c'est que dans tous les cas. Après, tant que j'ai pas l'UTX, ça va être chiant d'XP. Hein. Et brûlé. Et c'est vrai qu'ici l'accéléré, c'est un peu... Enfin c'est possible, hein, c'est CTRL Z, hein, je peux le faire là. Voilà. Mais... bon. Voilà. Niveau 8 pour Fennec. Pour Fennec. Qu'est-ce que t'es fort, hein? Je sais plus quand est-ce qu'on a le multi-exp, cependant. Après, est-ce que je l'aurais pas déjà par hasard? Peut-être que le jeu me l'a donné par défaut, non? Bon. Et du coup, ensuite, je sais même plus où... La forêt de... Ok. Attends, moi, on va marcher ensemble. Je sais qu'en secteur va nous inviter à des choses intéressantes. Du coup, on a soigné ma team ou pas? Même pas. Attends, mais soigne-moi là.
Mister Eloise du coup en off, j'ai... J'avais la flemme de retaper mon pseudo à chaque fois, du coup je me suis appelé Mister L, bon, pas grave. C'est... Oh, ça c'est... Ah oui, d'accord. Ah mais attendez, mais ah oui, le déplacer est en bas. Ça va prendre du temps avant de s'y habituer à ça. Alors qu'est-ce qu'il y a dans les hautes herbes ici? On va voir. Ok. Yeah. C'est pas un type feu, hein. Après, c'est pas dégueulasse, on peut peut-être essayer de l'attraper. Le Volvi. Le Turbo. La Pokéball, là. Et ça rentre tout seul, bien sûr, hein. First try, hein. Ouf. GG. Ah, par contre, c'est bien, oui. On gagne l'XP malgré le fait qu'on capture. Et ça, c'est cool, ça. Ça. Après, est-ce qu'il est farceur? Ce serait beau que oui. Et je peux essayer de bacon quand je veux. Il a infiltrator et il a une nature positive à un attaque speed, malheureusement en speed il est lent. Ce qui est regrettable, mais après c'est pas Pokémon que je vais garder anyway. Mais bon. Je me demande à quoi ressemble le prof. Il ressemble à Fur. Pardon. Très bien. Et il y a des potions au sol. Est-ce qu'il y a d'autres dans les herbes? On va quand même checker un petit peu, on n'est pas des animaux. Un épidonie là. Pokémon de type insecte, hein, du coup. Et c'est one shot. Donc ça, c'est le bébé de Vivillon, ça. De Prismillon. Hein. Denis. Hein. Prismillon qui est un bon Pokémon, mine de rien. En plus, qu'il doit avoir accès à Quiverdance, hein, dans cette ROM hack. Autant dire que Chenipote m'intéresse pas. Elle est là, elle. Et où ça? Je farfouille un peu, hein. Je me dis qu'il peut y avoir des Pokémon intéressants. J'ai pas de conneries, mais je sens que dans cette forêt-là, en Neo-Y, il y avait des insécateurs. Insta l'avait d'ailleurs capturé, et puis il avait gardé Cizayox. Toute l'aventure, mais bon, on m'étonnerait que ce soit le cas ici. Après, j'ai accès à une documentation qui met tous les Pokémon par zone, en vrai. Je pourrais me spoiler, en vérité, de ça, hein, c'est vrai. Ouais, ouais. Peut-être le faire d'ailleurs, parce que ça m'évitera de trop chercher, hein, en vérité. Et du coup, Pokémon, Wild Pokémon Location, ouais. Ouais, la forest, du coup, il y a. Il y a des Pikachu, tiens. Des Pansages, des Pansir, des Pampour. Ouais, Scroomish. Après, il n'y a pas de Pokémon hyper intéressant non plus, hein, je pense qu'on peut le dire. On peut avancer tranquille. On a attrapé celui qui nous intéressait probablement le plus, même s'il est moins speed, ce qui est dommage. Elle est parfaite pour ce fait-là. Ah, mais ils sont... Ils commençaient par analyser ma vie, ils sont tous là. Un combat. Ah, super. Je dérime votre pote. Alors cette Prismillon, ça pourrait être intéressant. Mais... D'ailleurs, ce qui est drôle, c'est qu'on a trois types, enfin, on a deux types feu et un type vol, et ils ont tous l'avantage sur. Sur le premier badge, hein, qui est de type insecte. Attends, Mister L, attends.
Regarde ce que j'ai trouvé, comme je suis super copine, je te l'offre. Ouais. Ah, merci, hein. T'es un dresseur, toi? Ouais. Va de l'avant, mon Lipidoni, là. Est-ce que c'est vraiment le cas? Eh ben non. Du coup, c'est bien preuve que c'est une drama hack, hein, n'est-ce pas? Parce qu'il n'a pas le Pokémon qu'il avait annoncé. Rattata qui est plus rapide que moi. Pas pour longtemps. Alors, est-ce que je vais garder Mega Brasigali? C'est tentant, hein, mais bon. Il y a probablement d'autres Pokémon. On a envie de d'avoir, hein, bien sûr. Et niveau 6 pour Poussifeu. Est-ce qu'il apprend une Dynx? Pas du tout. Passe rouge. Il n'est pas encore feu, hein. Donc Flamèche, c'est neutre. Et en style, la musique des combats, ouais. Bon. Après 35 épisodes, on dira plus ça, mais au début, en tout cas, ça passe. Ok, donc. Mais non, mais il a pas. Il n'a pas. Il n'a pas. Brasier. C'est ce que je cherchais. Donc Flamèche ne tuera pas. C'est vrai que Brasier, ça peut être utile, hein, mine de rien. On... Mais bon. Coup critique. Elle peut être jouée en vrai, le coup critique. Ah, mais du coup, dans cette génération-là, le coup critique est réduit, ça y est. Hein. Faut l'oublier, ça. L'épidonie, là, bon. Je sais plus où est-ce qu'on a le multi-ex par contre. Niveau 9. J'avons perdu, mais je suis fier de mon pied de mille à mouiller. Ok, super. Et saute moi toi. Bon, lui, j'en veux pas. J'ai déjà assez de type feu, hein, j'ai envie de dire. Après, je sais pas si on peut changer les natures, hein, dans cette dans ce hack. Ça serait beau si c'était le cas. As-tu des Pokéballs là? Ah merde, du coup, si on parle. Donc je pense à leur parler en vrai. Ma soeur. Électrisé, donc type électrique du coup. Si on en croit. Exact. Quelque chose me dépasse au moment. Ah non. Ça alors. Il prend zéro votre pote. Il prend zéro, hein. C'est triste, il prend zéro. J'ai pas envie de griffe parce qu'il pourrait potentiellement statique, voyez-vous. D'ailleurs, Pikachu, enfin Raichu et Pikachu font partie de Pokémon qui ont été boostés en stats dans la version Remasterized. Pika Pika, ouais. Il me semble que Raichu. Bah, attendez, je vais vous le dire. Ça, au moins, vous le savez. Pokémon Changes, ouais. Do
Ouais, non, c'est Raichu qui a changé, pardon. Il passe à 95 d'attaque au lieu de 90 et 110 en attaque spéciale au lieu de 90. Et il apprend Dazzling Gleam. Et c'est tout, je crois. Hein. Il change pas son type, cependant. Voilà. C'est quand même... voilà. C'est quand même pas mal. Alexis. On va rester... Oh, c'est que là j'ai des Pokémon qui sont à des niveaux très très bas là. Faudrait peut-être que je les entraîne. Hein. Gros yeux. En plus on est bientôt à la fin de la zone j'imagine. C'est ton équipe qui va maîtriser quelle force. Et puis Pikachu c'est super rare, pourtant j'en ai une trop forte. Hein. Et Pikachu c'est pas mal là. Regardez là, j'en trouve un, trust. C'est vrai qu'on va devoir choisir entre les trois starters après, normalement. Ah, en vrai, méga Dracofeu-Grec pour faire une Teamson. En vrai, la Teamson, pourquoi pas, hein, j'ai envie de dire, mais bon. Ça me drôle. Et pourquoi j'ai pas mis en premier mon autre Pokémon? Je suis un connard? Oh, oui. Ah, mais vous inquiétez pas. Oh là, le ralentissement de l'émulateur, là. Et d'ailleurs, il va falloir que je pense à sauvegarder parce que. C'est vrai que. Ouais, là quoi. Où il a fait ses crétions. Est-ce qu'il a comme attaque d'ailleurs lui? Il a pas d'attaque vol. Ah ouais, d'accord. Ah ouais. Ah ouais, ouais. Je vais t'empoisonner, Truss. C'est l'émulateur qui est ralenti comme ça. Hein. Il faut que je sauvegarde. Sapro. En vrai, Sapro, je peux le gérer, non? Même s'il doit être niveau 6. Niveau 5, ouais, je peux le gérer, je pense. Hein. Je peux le gérer. Ouch, fait mal quand même. Hein. Ah, c'est tout? Ah non, il est normal du coup. Il est que normal en fait. Ah, il est que normal, non, ouais, non, ok. Je pensais qu'il était déjà sol. Et eh ben, je me suis trompé. J'ai peur que l'émulateur il plante à la fin du combat maintenant. À mon avis c'est parce que l'émulateur plante pendant le let's play une fois ou deux. C'est pas exclu. Au 5. T'as pris une attaque intéressante ou pas? Balignon. Et ça ne tue pas. Boum. Eh ben, ça poussera votre Pokémon encore plus souvent. Allez, je vais sauvegarder Rapidos. Voilà.
Une Pokéball. Ouais. Sans Pikachu ici. Il y en a hein, des Pikachu. Les potions aussi, il y en a. Après, tant pis pour le Pikachu. Hein. Ah, c'est toi le premier arrivé. Il me semble que mon nouveau voisin a un certain talent en tant que Pokémon. La façon de bouger des Pokémon est top in. Je dois la garder à l'esprit quand je danse. L'intérêt pour les mouvements des Pokémon relève de l'obsession. Ah, tout le monde est là après pour découvrir Neuvratult. Ah, c'est bien. Vas-y, dernier quoi pour Pikachu là? C'est un coup dur! C'est un coup dur. Bon, en vrai, Pikachu n'est pas obligatoire donc. Allez, salut. Bon, trois chemins ouverts. Alors, on fait quoi? C'est évident, Sana. On charge les Pokémon, comme le professeur nous l'a demandé. Les espèces de Pokémon sont pas les mêmes selon le milieu, autrement dit. Nous avons une chance de rencontrer ici des Pokémon différents de ceux de la forêt. Pokémon différents de la capacité. Je sens encore que ça devrait m'inspirer un truc. Serena. Le défi des champions, commençant par Neuvratult. Je vais savoir quel est mon niveau, il n'y a pas 36 solutions, je vais les affronter. Attends, c'est vraiment beaucoup des choses. Je sens des périodes dévorantes qui m'ont beaucoup appris. Je pense que je dois partager à mon tour ce savoir. ABC Aventure. Hey Yuppie, hein, Marisson, tu comptes faire quoi? Tu comptes faire? Je compte faire? Alors, qu'est-ce que le Pokémon ici? Rattata, Bidouf, Zorua, tiens, moi. Et Lipouti. Lipouti, c'est pas dégueu, hein. Et je vais trouver passe rouge. Je vais trop envoyer passe rouge pour le faire monter de niveau, bien sûr. Vas-y, que c'est inconnu à bord, je vais le taper dessus. Ah bon? Niveau 7. Mur de fer. Eh ben. Eh, il a des attaques, hein. Passant. Maril. Vas-y.
Attendez, à quoi? Ah ouais! Ah ouais, quand même! Il sort déjà des vents glaces à ce... Après, il a heureusement qu'il a pas... Qu'il a pas... Il a pas Coloforce, hein. Plus de KKM, il ne l'a pas. Vas-y, on va faire ça. Ouais. Délire. Je m'emmerde, oui. Ah non, mais je vois que le hack va être très relevé. Va falloir s'entraîner, hein, parce que le prendre comme ça à la rigolade. Oh mais vas-y, c'est chiant. Le prendre comme ça à la rigolade, c'est pas forcément la bonne solution, j'ai l'impression. Pas la solution, hein, visiblement. C'est pas la solution. Elle aime bien l'attaque charme en tout cas. Mon plus grand plaisir. Hein. Vas-y. Ah, c'est un délire, hein! C'est un délire en vrai, hein! Ah, il spam charme, hein! Pas de problème là-dessus, hein! Il spam charme, hein! Aussi s'il apprend giga sans suite d'un coup. Ouais. Héros singe. Un délire en vrai. Hein, De voir l'attaque de ouf déjà lui. Ah balayage c'est pas mal hein.
Après, je suis léger, donc... C'est fort. Niveau 10. Le sable. Ouais, bah putain, t'étais chaud, toi. Tu vas pas avoir les poutils, là? Ouais, bon. Je peux fuir, c'est contraste. Attends, je vais quand même sauvegarder parce que. J'ai quand même des ralentissements de dingo hein, de temps en temps. Classe! Ah mais si tous les dresseurs sont chauds là, ça risque de tourner vinaigre rapidement quoi. Ça risque de tourner au vinaigre très très vite. Ok. Ah ouais, non mais ok. Waouh. Waouh. Merci. Évidemment. Bah c'est loose. Ok. À moins que parce que je le dépasse et je le tue. C'est impossible mais bon. Ouais c'est impossible. Ah si je le dépasse et je le tue. Oui. Alors peut-être, coup critique. C'est pas trop ce qu'il va gagner, peut-être tous. Non j'y crois pas, C'est impossible. Il est beaucoup trop en retard au niveau. Par contre il va prendre une attaque vol, non? Ah pas du tout. Si t'apprends pas d'attaque vol, c'est fini hein. Cochijon. J'aurais pas pensé dès l'épisode 2 me retrouver dans ce. Accéléré. J'aurais pas pensé dès l'épisode 2 me retrouver dans cette configuration, hein, je vais pas vous mentir. Il fait vœu. Il a vraiment vœu. Il est impassable votre pote. Ah la... Oh le délire quoi.
Mais écoutez, on va s'arrêter là. Voilà, premier game over du jeu. Hein, je m'attendais pas à ça. Je vais pas vous mentir, je m'attendais pas à ça, mais au moins ça annonce un jeu difficile. Donc quelque part, c'est pas mal. Bref, on se retrouve très très vite pour l'épisode numéro 3 de notre espèce sur Waiting Y les gens. Ciao bye, tout le monde.